Aux toilettes, sans fermer la porte, on continue à parler, à débattre. Moi, je crois que c'est ça le couple, en fait. C'est chier, porte ouverte. Moi, après, c'est personnel, mais j'aime pas le terme couple. La société met plein de critères sur qu'est-ce que c'est un couple, et moi, je me reconnais pas du tout là-dedans. Enfin, j'ai l'impression que ça met une relation dans une boîte qui va pas forcément correspondre, donc je préfère parler de relation, et dans cette relation, ben, je peux mettre plein de choses différentes qui vont peut-être varier selon les personnes. On a le terme polycule qui peut être l'équivalent de couple, mais pour des relations plus amoureuses, mais je dis jamais que je suis en couple à quelqu'un, je dis que je suis en relation à quelqu'un. Je crois que le mot couple évoque rien de spécifique. Je comprends pas. Du coup, je l'utilise pas, voilà. Ouais, moi, c'est un peu pareil. Je pense que le mot couple, ça évoque le schéma dont on ne parle pas, parce que c'est le schéma par défaut. Et quand tu rencontres quelqu'un, il y a un peu ce truc de genre « Ah bah viens, on se met en couple !» Et bah super, ça veut dire qu'on a à aucun moment parlé de ce dont on avait envie. Et donc du coup, j'utilise un peu rarement le terme couple, je suis plus en mode genre « Ah ok, t'as envie de quoi dans notre relation ?» Et puis viens, on discute. Et du coup, quand on parle... Bon, moi je sais que du coup quand je parle de mes relations à d'autres gens, je dis plutôt ah ben je vais passer un week-end avec mon amoureuse. Je sais même pas si c'est deux personnes. Est-ce que c'est deux personnes déjà? Mais couple ça veut pas dire duo forcément. Bah, je sais pas. Franchement, c'est vrai qu'on a inventé le mot trouble, mais bon. Ouais. Couple normalement c'est deux, ouais je crois, mais bon. C'est un ensemble de personnes qui s'aiment amoureusement après, qui vivent ou pas ensemble. Enfin en fait il y en a plein de divers. Il n'y a pas une définition du couple. C'est deux personnes qui ont des sentiments l'un pour l'autre et qui arrivent à vivre ensemble et à dépasser les moments. Il y a toujours des creux et des moments où ça va mieux. Ce qu'il y a de mieux dans être en couple, c'est que quand on vit des trucs bien ou qu'on fait des expériences, moi je sais que j'aimerais pas faire des trucs tout seul. Genre voyager, tout ça, c'est mille fois mieux de le vivre avec, avec la personne qu'on aime, quoi. Moi. Oui, toi. Alors un couple, pour moi, c'est un partage d'expériences, un partage de vie. D'accord. Bon, c'est à peu près la même chose pour moi, sauf qu'en plus de ça, il y a quand même les sentiments, il y a quand même le respect, il y a quand même tout un côté un peu plus intellect, on va dire, parce que je suis incapable d'aimer une personne qui m'ennuie au plus haut point, ou qui prend pas soin de moi, ou qui ne me respecte pas. Oui, et il y a le côté amour. S'il n'y a pas le côté amour, le couple, après, ça reste des amis, quoi. Oui. Une entente et partager des choses. Et c'est aussi un investissement. De ouf. C'est deux personnes qui s'aiment, quoi. Je veux dire. Et qui construisent quelque chose ensemble. C'est deux personnes qui choisissent de vivre ensemble. Enfin, de marcher ensemble. Ou d'évoluer ensemble aussi. Ouais. Pour moi, c'est deux personnes qui s'aiment et qui se sentent bien ensemble. Je suis philosophe, un peu à mes heures perdues. Pour moi, un couple... c'est deux personnes qui choisissent de partager une vie et qui sont pas forcément sur la même longueur d'onde, surtout, mais qui sont capables de comprendre la longueur d'onde de l'autre. Deux personnes qui s'aiment, envers et contre tout, malgré ce que les gens pensent, qui soutiennent tant bien que mal, et je sais pas toi. Le respect, le soutien, la communication, l'échange, le partage à deux. C'est deux. C'est mieux. Où ça s'entend bien, que ça se prend pas la gueule. On peut discuter de tout. Avoir un projet commun. Et en avoir des différents. Avancer avec ou sans l'autre, mais savoir que l'autre est toujours là pour t'aider ou pour n'importe quoi. Ouais. Quelqu'un qui soutient, qui accompagne et qui motive. Et qui empêche pas. Et qui empêche pas. Ça, je crois que c'est le premier. Qui empêche pas. Je dirais deux personnes qui vivent ensemble et qui s'apportent mutuellement pour avancer. Je trouve ça. Allez, ça me convient. Ouais. Allez. Bah pour moi, c'est deux personnes qui s'aiment, qui vont plus ou moins vers la même direction, vont peut-être, dans la plupart du temps, les mêmes projets. Mm. Peut-être pas professionnellement, tu vois, bon, nous, dans votre cas, c'est professionnel, mais voilà. Mais je pense que c'est des projets de vie. Dis des choses un peu, là. Okay. Mais pour moi, un couple, c'est quasiment pareil. Après, oui, en termes d'ambition, il faudrait qu'on ait à peu près les mêmes choses. Après, d'être différent sur certains points, c'est toujours cool. Pour moi, il n'y a pas trop de monotonie. L'autre, il a une passion, l'autre, il en a une autre. Du coup, c'est cool parce qu'on peut s'intéresser à l'autre passion, etc. Bon, pour le coup, nous, on a la même, donc on se supporte plus. Bon, le couple, c'est ça. Deux personnes qui s'aiment, et puis en avant guingant, quoi. Alors, ça va être très... cuculapraline, mais c'est voir dans la même direction. On a les mêmes projets, on a les mêmes envies,
On est attiré toujours l'un envers l'autre. Moi, je suis un peu moins philosophique. C'est un pilier dans notre vie. C'est un peu un... On devient un binôme. On s'ennuie jamais quand on est ensemble. C'est mon meilleur pote en même temps que je couche avec, quoi. Bah, c'est formé au final un ensemble, une personne en fait, tous les deux on fait qu'un quoi maintenant. On se complète, elle me sert un peu d'escalier où en fait j'avance dans la vie en montant quoi. Mais c'est vrai ça, hein. Ouais, c'est t'as ça. Un vrai support, un vrai boost. Et c'est ce que toi tu m'apportes, c'est ce que moi je souhaite t'apporter aussi en tant de plus quoi. En fait on le sent, on est les meilleurs amis l'un de l'autre aussi. Et ce que je lui dis des fois, on est en train de regarder la télé et je me dis, en fait attends on est ensemble, c'est vrai j'ai le droit de te faire des bisous, on n'est pas juste deux potes qui regardent la télé. Parce qu'en fait ça fait un peu cet effet là tellement on est bien quoi. Ouais. Puis c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Pour tout en fait, et tu sais qu'il sera toujours là pour toi dans tous les cas. Quoi. T'as pas de masque à mettre, tu dois pas être quelqu'un, tu dois pas, ah là là, je suis mal coiffé et tout, c'est vraiment quand t'es avec la personne, t'as le droit d'être toi-même et t'as sans retenue. Alors vraiment, le terme le plus important, c'est genre la confiance. C'est genre la personne en qui, enfin t'as l'impression que c'est l'extension de toi. Ouais, tu peux te reposer sur elle. C'est vrai qu'elle fatigue pas, ouais. Toi tu me fatigues pas, jamais. Moi je me repose beaucoup sur toi. Ouais, moi aussi je me repose beaucoup sur toi. Enfin moi je sais qu'il trouvera jamais mieux que moi. Et toi, tu sais que tu trouveras jamais mieux. Enfin, toi, tu sais que moi, je trouverai jamais mieux que toi. Enfin, 100%. Bref. Ouais, 100% sûr. T'es mon meilleur ami aussi. Oui, c'est ça. Bah, c'est deux personnes qui s'aiment, qui partagent des choses, qui sont honnêtes, tous les deux, qui ne se mentent pas quand ça va et quand ça va pas. Comptez l'un sur l'autre. Faut que je valide des choses, tu vois. Non. Je peux valider, c'est voilà. Tout. C'est bien. Je pense que c'est surtout réussir à s'ouvrir à l'autre sans aucune barrière. C'est super important de réussir à te dire que, mais t'inquiète pas, lui aussi c'est quelqu'un de normal, il fait caca le matin, puis en plus au bout d'un moment tu t'en rends compte. Mais surtout, il faut savoir dire que, ben, il a le droit d'être différent de ce que je souhaiterais, et c'est pas pour autant que je peux pas l'aimer. Le couple, c'est réussir à dépasser un petit peu le côté rêve un peu pourri qu'on peut avoir quand on est gamin, une espèce d'idéal complètement hors sol, alors qu'en fait il suffit simplement parfois que tu regardes ben, ton partenaire muscu. Ton ami peut aussi être ton amant et peut aussi être ton amour et c'est pas grave. Tu peux tenter ces choses-là, tu vas rien perdre, tu peux que gagner. Et puis se dire qu'on va avancer ensemble, on va faire un moment ensemble, le plus longtemps possible, ce serait cool, si on se sent bien. Et puis après, ben, on fait des choses à deux, on se supporte, dans le sens pas supporter, dans le sens t'es chiant, je te supporte, mais se supporter, s'il a besoin de moi, je suis là, si j'ai besoin de lui, ben, j'espère qu'il sera là. Oui, il était là. Et mais c'était plus là. Être en couple, c'est juste vivre. Oh. Est-ce que j'ai déjà un préféré? Est-ce que j'ai un préféré? Je fais du sexe.